Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui c'est un retour de course, on était faire un tour à H-Market à Ponto Combo, il y avait trop de monde. Le samedi je vous conseille vraiment pas d'y aller. Là il y a Tartiflette et là il y a Raclette. Salut. Regarde Pascaline avec quoi elle joue, l'autre cochonne là aussi numéro 2. Elle aussi elle a mis les autres plats, bizarre. Tu commences, je commence, on commence. Allez, prends la piste dans ta poche et vas-y, c'est parti mon kiki. Alors il y en a un à la pomme. Et il y en a un au chocolat. J'étais à 1€ quelque chose. Ouais, mais on s'en fout des prix. J'ai pris des aubergines comme ça. Donc je m'en rappelle plus. Elle a encore fait un plug. Il y a une cochonne, regarde. Laura qui s'amuse avec le. Regarde. Ah, donc celle-ci, elle avait pire qu'une que j'ai pris. C'est elle qui dit ça. Le jouatif, elle m'a dit. Des concombres. Des concombres, on en a acheté deux. Enfin, ma femme, elle a acheté. C'était à 0,99, c'est ça. T'as fini de faire des idioties, toi. J'ai pris des onion rings. Donc, ça, c'est en surgelé. Donc, ceux-là, ils ne piquent pas. Donc, ça tombe bien. Ouais, c'est pas donc, comme chez Noz. Du coup, voilà. Tu vas chez Noz, tu pleures. Tu t'arraches les. Ma femme, elle a pris deux melons jaunes. Et ils sont en train de faire les crèmes, il y a les deux. Voilà, deux, là, machin, il y en a deux. Deux melons jaunes. Un pain de mie qui était 1€ de la marque Jacquet, donc Maxi Jack. Voilà. Un chou-fleur. Pour faire je sais pas quoi. Un chou-fleur, hein. Chou-fleur. À la base. Des radis. Même si c'est pas les pucks, c'est pas grave. Des aubergines. Ah, voilà, les deux. Et tout du noir. Là. Des bananes. Ouais. Alors en ce moment, je suis en pleine réflexion. Je divorce, pas. Faut-il que je prenne un avocat? La blague de merde. J'ai pris deux avocats. Non, c'était une boutade. Oh, c'est nul. Ça, bah, je sais que c'est nul, mais c'est pas grave. J'ai pris des poivrons, donc voilà, il y a trois couleurs. J'ai pris. On a pris des oignons. Des oignons. Non, des oignons. Ma femme, elle a acheté ce truc. C'est débile. Mon petit Fanny, elle voulait de l'ananas. Ouais, d'accord. Bon, là, l'ananas, il est déjà presque pelé. Hein. Tu ne verras pas de retirer le reste. Ah, tu mangeras le verre. On a pris de la viande aussi parce que pour H-Market, on prend beaucoup de viande. Donc, on fait la réserve. Donc, on a pris un gros morceau d'épaule de bœuf. Il y a combien de kilos là-dedans? Il y a 11 kilos, presque 12 kilos pour 26,08 €. Donc, voilà. Là-bas, il y a beaucoup de viande en gros. Donc, ça vaut le coup. Pour les gros. Des champignons, des chanchons, des pipis, des gnognons. Parce que non, on est très champignons. Alors ça, ça n'a rien à voir, hein, c'est des M&M's. On a pris aussi des merguez, donc voilà. Là, il y a pour 8,01 €. Vous voyez que je vous dis, ils font beaucoup de lots de viande là-bas. Donc ça vaut vraiment le coup. Ça sent bon. Et on a pris aussi des chipots. Donc voilà. 1 kg de merguez, 1 kg de chipots. Ma femme a lâché des gourmandises pour les minettes. Donc c'est en petit sachet, par contre. Ouais. C'est à part, c'est bizarre. C'est au bœuf en plus. Ouais, oui, c'est au bœuf. On a pris les 3 kilos de viande hachée comme d'habitude. Donc ça, vous connaissez. Elle est bonne la viande. Donc ça, on met tout ça en gelé. De la lessive super croix pour avoir plein de croix, bulles. Donc ça, c'est fleur de mon oeil. Lait de mon oeil. Ça, je les prends, mais celle-là, elles sont bonnes. Du blanc de poulet, ouais. Donc on a pris une grosse barquette. 5 kilos pour 22,95 €. Donc ça, c'est pareil, c'est en surgelé. Des petites perles de corail, parce que nous on aime bien de temps en temps, on aime bien manger des trucs comme ça. C'est un peu sec, mais ça va, ça passe. C'est quoi ça? Du chaume, l'original. Ça c'est un fromage, hein, je précise, pour ceux qui savent pas. Ouais. On a pris aussi des panachés gamme veggie, donc ça on avait déjà pris une fois, donc c'est comme ça, c'est des sortes de petits beignets veggie, c'est super bon aussi. Et l'autre? J'ai pris du poisson aussi façon meunière, donc ça c'est très très bon. Franchement, ouais. Si vous les trouvez, allez-y, c'est au citron et c'est super. Ils sont déjà cuits, vous avez juste à les réchauffer derrière. C'est au tout. Four, ouais. Pourquoi t'as racheté des trucs là? Bah, si on refait des crocs au Donc, si on refait des crocs, donc là c'est. Dans Wiki, des fois il y a des recettes avec ça. Alimental, du classique et hamburger. Voilà. Classique. Bah, c'est marqué classique, classique croque monsieur. C'est tout bête, hein. J'ai appris du thé en sirop à la menthe, ça il est très très bon, on a déjà goûté. Qu'est-ce qu'on pisse avec ça par contre, ouais, la menthe ça, ça fait pisser. Petite parenthèse. Ouais, ça va pas venir. On a pris un oasis aussi du haut d'orange. Du crabe, donc là c'est un gros sachet complet là, quand même. Là il y a combien? Il y a 1 kg, je sais pas combien de bâtonnets, hein. J'ai pas compris. On s'en fout, il y a 1 kg. Il y a 1 kg. On a repris des petites côtelettes de d'agneau, on cherchait donc ça aussi, 20,08 €. Comme ça, on met au congèle.
Et c'est quoi ça? De la poitrine d'agneau. Voilà. Et là, donc c'est 5,31€ et il y a 1,516€. Voilà. On fait pas les réserves, mais pas des pâtes Barilla aussi, 1 kg. Donc il y en avait dans le rayon là. Ouais, il y avait de quoi faire. Oui, il y avait des pâtes. Ça dépend des magasins après, je pense. Des tenders filet de poulet. Donc là, il y a combien? Il y a 800 grammes. Il y a plus de barquettes qu'il y a de poulet dedans. Ouais. J'ai pris un lot de 3 Svelties. Ça, c'est super bon. Si vous connaissez pas anglais, c'est super bon. Je sais pas pourquoi elle a passé là alors qu'il était là. J'ai pris un pot de Nutella parce que ça, les mômes, ça, bah, du coup, ils sont à la maison, donc ça va vite descendre. Donc voilà. Bah, pas pour tout le monde. Bah, elle est encore en stage, Tiffany, mais bon, Alexis, il est encore là. Donc. Une petite parenthèse, merci Angèle, ils étaient super bons, franchement. Lydie, elle a peu le temps d'écouter, de toute façon, c'est pas pour elle, c'est pour moi. Mais franchement, on les a trouvés et je me suis dit, Adam, faut leur prendre un. Ils sont super bons, merci. Des petites pâtes aussi, macaroni. Des coquillettes. C'est tout. Et après, il y a ça. Des pâtes comme ça aussi. Mmh. Bon, on n'a pas pris beaucoup de pâtes alors. Et ça, t'as fait? Oui, j'ai fait. Ça, t'as fait? Oui, bien. J'ai fait. J'ai pris des petits donuts aussi comme ça avec du chocolat, donc on connaît pas trop, on verra bien. C'est Waouh qui fait ça, je connaissais pas. De chez Crêpes Waouh. Ouais. Chocolat. Au chocolat noisette. Les patates, t'as montré? Non, sauf les patates que j'ai pas montré. Voilà. Et je sais pas combien il y a, 5 kilos je pense. Ouais. 5 kilos de pommes de terre. Pommes de potère. Qui viennent de la terre. C'est les pommes de la terre. Et les petits cornichons. Cornichons. On n'en a pas trouvé ce matin, Max. Non, parce qu'Aline, désolé, on a essayé de chercher ta carotte, ta banane et ton cornichon, on n'a pas trouvé. Dans notre secteur à nous, peut-être qu'on trouvera. Donc voilà. Oh, il était rapide, disons, et 6 minutes. Ouais, tu vas trop vite. Alors on recommence. Nous avons acheté des bananes. Non, c'est bon. On en a eu pour 192€, je crois. Des radis. Ouais. C'est ce que t'as dit. Deux melons. Non, voilà, c'est bon. Les filles c'est sont bon, nées dans compris, un chou-fleur. Ouais, c'est bon, on a arrêté quand même. Héros, c'est le garçon. Donc voilà, merci encore pour le live d'hier soir, hein, pour les 300... Presque 360. 360, presque, 300, presque 360 personnes. Mais du monde. On a été super surpris, mais merci à tous. Hein. Et merci pour les 5920 abonnés. On arrive bientôt aux 6000. On bientôt, on va pouvoir faire notre concours. Et puis voilà. Et puis c'est tout, je crois. Oui. Ouais. Et il flotte. Bonjour. C'est samedi, c'est chouette. Il pleut. Ah là. Bon, bah sur ce, on vous fait de gros bisous parce que je sais pas ce qu'on pourrait dire d'autre. Rien. Bon, bah rien. Marion, t'a montré. Non, malheureusement, non. C'est rapide. Sur ce, on vous fait de gros bisous. On vous remercie encore. Passez un bon week-end et partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Allez sur Utip, allez sur Party Like, il y a des nouvelles promos. Allez-y, profitez-en. Vu que vous restez à la maison, profitez-en pour commander. Voilà, exactement. Sur ce, on vous fait de gros bisous. On vous dit à très bientôt et puis passez un bon week-end. Bisous à tous et à toutes.